Hello tout le monde, bienvenue sur Le Sens des Lettres, votre plateforme de Scrabble Duplicate. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on est vendredi, il est 10h. Nous allons jouer une partie Joker à vocabulaire courant. Vocabulaire courant, c'est-à-dire que j'ai préparé la partie de façon à ce que les tops qu'on va poser à chaque coup sur la grille ne soient pas des mots trop compliqués. Alors, il peut arriver que le top soit un mot pas très connu, ou pas connu du tout, mais en général, il y a des isotopes, c'est-à-dire des solutions qui font le même score que le top et qui, elles, relèvent du vocabulaire courant. Donc, vous inquiétez pas si jamais vous voyez un mot bizarre sur une grille qui est censée être un vocabulaire courant. En vérité, sur le coup en question, il y a peut-être deux, trois autres solutions qui, elles, sont accessibles en termes de vocabulaire. Voilà, à l'issue de la partie. Ah oui, pardon. Je prépare la partie et puis à la fin, il peut arriver que sur les deux, trois derniers coups, faute de possibilités autres, bon, les derniers mots soient pas forcément de vocabulaire courant, mais généralement, ce n'est pas des gros, gros coups quand ça arrive. C'est vraiment à la fin de la partie parce qu'il faut bien épuiser les dernières lettres. À la fin de la partie, un petit décodage, définition, sous-top, isotope, les potentialités des appuis, des tirages. Oui, là je vais le faire puisqu'on a sept lettres. C'est une partie de joker. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un joker sur le. Voilà, hop, c'est mieux comme ça. Voilà, eh bien, j'espère que vous êtes prêts. On va y aller. Dans quelques secondes, le premier tirage de cette partie Joker à vocabulaire courant. Voilà, vous n'avez aucune lettre devant vous. Vous prenez votre premier Joker, forcément. Ainsi que Italie, I. Suisse, S. Océanie, O. Danemark, D. Norvège, N. Et France, F. Vous jouez avec Joker, Italie, Suisse, Océanie, Danemark, Norvège et France. Chrono. Thank you.
vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Maximum à 78 points. Vous faites attention à la solution retenue. Le joker est remplacé par un A d'Algérie, horizontalement en H4. Nous posons fondé, F-O-N-D, le A qui remplace le joker sur la case centrale. IS, fondait H4, ça fait 78 points. Alors oui, je rappelle, j'ai oublié, je rappelle le principe de la partie de joker. On a un joker à chaque tirage et sur la grille, au lieu de laisser le joker comme on fait actuellement, habituellement, en le laissant remplacer une lettre, eh bien en fait on prend une vraie lettre dans le reliquat du jeu, on la met sur la grille et on récupère le joker jusqu'à ce que la lettre en question ne soit plus disponible, auquel cas le joker reste sur la grille et on prend le deuxième. On procède de la même façon dès qu'il est la lettre qu'il est censé remplacer n'est plus disponible, eh bien on le laisse sur la grille et on finit la partie sans joker normalement. Voilà. Donc, il vous reste le premier joker. Et vous prenez Hongrie H, Roumanie R, Égypte E, Océanie O, Italie I, France F. Vous jouez avec joker, Hongrie, Roumanie, Égypte, Océanie, Italie et France. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un top à 69 points. Le joker est remplacé par un R de Roumanie, verticalement en 9B. On appuie sur le I. En fait, attention à la place, hein, c'est en 9B, le plus haut possible. On appuie sur le I de Fondé, nous descendons horrifié. H, O, R qui remplace le joker, deuxième R, I, F, I de Fondé et E. Donc attention, c'est le deuxième I de horrifié qui se confond avec celui de Fondé. Horrifié, 9B, pardon, 69 points. Le joker uniquement, vous avez entre les mains. Et vous ajoutez Jordanie J, Roumanie R, Tunisie T, Égypte E, Hongrie H, Italie I. Vous jouez avec joker, Jordanie, Roumanie, Tunisie, Égypte, Hongrie et Italie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un top à 52 points. Faites attention à la solution retenue verticalement en 5 E. En prenant un N de Norvège pour remplacer le joker, sur le haut de fondé, nous jouons rejoint. R-E-J-O-I. Le N de Norvège qui remplace le joker et T rejoint 5 E, ça fait 52 points. En main, vous avez Hongrie et le premier joker. On ajoute Égypte E. Belgique B. Égypte E deuxième. Venezuela V. Tunisie T. Vous jouez avec Hongrie. Joker, Égypte deux fois, Belgique, Venezuela et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
coup est terminé. Quarante-quatre points pour le top de ce coup. Le joker, de nouveau un N de Norvège, le remplace verticalement en 6F. On appuie sur le N de fondé et en collant à droite de rejoint, nous posons Aîné. H, E, le N de fondé. Un N de Norvège donc pour remplacer le joker et E. Aîné, H, E, N, N, E. Au passage, ça forme E-E-H, J-E, IN, I-N et N-E-N-E avec les lettres de rejoint. Aîné, 6-F, 44 points. Il vous reste Belgique, Tunisie, Venezuela et le joker. On ajoute Algérie A. Suisse, S. Algérie, A, c'est le deuxième. Vous jouez avec Belgique, Tunisie, Venezuela, joker, Algérie deux fois et Suisse, chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Quatre-vingt-deux points. Le joker est remplacé par un E d'Égypte. Attention à la place horizontalement en D8 sur le premier R de horrifié. Bravate. B, R de horrifié, le premier, attention. A, V, A, T, E, S.
Bravate, D8 sur le premier R de horrifié, ça fait 82 points. Vous avez le premier joker toujours. Prenez 6 lettres. Tunisie, T. Roumanie, R. Égypte, E. Danemark, D. Égypte, E, c'est le deuxième. Canada, C. Vous jouez avec joker, Tunisie, Roumanie, Égypte deux fois, Danemark et Canada. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé.87 points horizontalement en L1. Attention à la solution retenue pour mettre un E au bout de rejointe. Et en remplaçant le joker par un E d'Égypte, nous posons décrète. D. Le joker est remplacé par un E d'Égypte. C. R. Le E vient au bout de rejoint pour faire rejointe. T et E. Décrète L1, 87 points.
au premier joker que vous avez encore entre les mains, vous ajoutez Égypte E une fois, deux fois, trois fois. Tunisie T. Maroc M. Danemark D. Vous jouez avec joker Égypte trois fois, Tunisie, Maroc et Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Soixante-dix-neuf points horizontalement en J8. Pour mettre un E au bout de horrifié et en utilisant un N de Norvège pour remplacer le joker, nous posons démente. D, E qui fait horrifié et E, M, E, le joker remplacé par un N de Norvège, T et E. Démente. J8, ça fait 79 points. Vous avez le joker en main, complété avec Zambie Z, Suisse S, Italie I, Algérie A, Grèce G, Océanie O. Vous jouez avec joker, Zambie, Suisse, Italie, Algérie, Grèce, Océanie. Chrono.
vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Sans 20 points. De nouveau, le joker est remplacé par un N de Norvège. Verticalement en 15H. Pour mettre un Z au bout de démente, formé démenté. Gazion. G. A, Z, qui fait démenter EZ, donc I, O. Le joker remplacé par un N de Norvège et S. Gazion 15H, ça fait... Si je cliquais sur afficher la solution, ça serait bien quand même. Voilà, pardon, mes excuses. Gazion 15H, G-A-Z-I-O-N-S, ça fait 120 points. Alors, le joker, vous l'avez toujours, le premier, remplacé, ajouter Algérie A, Luxembourg L, Canada C, Suisse S deux fois, Égypte E. Vous jouez avec joker, Algérie, Luxembourg, Canada, Suisse deux fois et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
coup est terminé. Quatre-vingts points. Horizontalement en N8, le joker est remplacé par un A d'Algérie. Pour terminer sur le S de Gazion, l'Assas. L, le joker remplacé par un A d'Algérie, c'est A, 2S, E, et le S de Gazion. L'Assas, N8, ça fait 80 points. Il vous reste toujours le premier joker et vous ajoutez Luxembourg L, Tunisie T deux fois, Uruguay U, Maroc M, Italie I. Vous jouez avec joker Luxembourg, Tunisie deux fois, Uruguay, Maroc et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Soixante-dix points, verticalement en 2G sur le premier E de décrète et en remplaçant le joker par un N de Norvège. Mutil, M-U-T-I-L, E de décrète, le N qui remplace le joker est T. Mutil.
2G, ça fait 70 points. Il vous reste le joker. Ajoutez Roumanie R, Italie I, Uruguay U, Suisse S, Océanie O et Luxembourg L. Vous jouez avec joker, Roumanie, Italie, Uruguay, Suisse, Océanie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Soixante-dix-neuf points. Attention à la solution retenue horizontalement en O3 pour terminer en dessous des premières lettres de l'ASAS, les deux premières lettres pour être plus précis, et en remplaçant le joker par un A d'Algérie, nous posons roulet R O U L, le joker remplacé par un A d'Algérie I S. I et S forment au passage LI, LI et AS, AS avec les lettres de l'ASAS. Roulet O3, ça fait 79 points. Il vous reste le premier joker, toujours.
que vous accompagnez de 6 lettres. Océanie, O. Portugal, P. Luxembourg, L. Xénophon, X. Maroc, M. Uruguay, U. Vous jouez avec Joker, Océanie, Portugal, Luxembourg, Xénophon, Maroc et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Soixante-douze points verticalement en 14A. On appuie sur le E de bravate. Faites attention aux mots retenus. Nous jouons pileux. P, le joker remplacé par un I d'Italie. L, E de bravate, U, X. Pileux 14A, ça fait 72 points. Alors, vous avez OM en reliquat, vous rejetez. Vous rejetez le O et le M et vous avez toujours le premier joker. Prenez Océanie O, Grèce G, Italie I, Kenya K, Kenya, Venezuela V, Québec Q, Québec,
Vous jouez avec Joker, Océanie, Grèce, Italie, Kenya, Venezuela et Québec. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé.75 points, vous allez prendre un A d'Algérie pour remplacer le Joker horizontalement en A11 en appui sur le P de pileux. Nous posons Okapi. Okapi. Oka A Joker, A qui remplace le Joker, pardon, P de pileux et I. Okapi à 11, ça fait... Ah, mais je ne l'ai pas affiché. 75 points. Donc, Okapi, O-K-A-P-I à 11 sur le P de pileux, 75 points. Il vous reste GQV ou GVQ. vous rejetez ces trois lettres, et vous avez toujours votre premier joker. Prenez Yougoslavie Y. Grèce G. Égypte E. Wallonie W. Belgique B. Égypte E, deuxième. Vous jouez avec Joker, Yougoslavie, Grèce, Égypte deux fois, Wallonie et Belgique. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Alors, le top de ce coup est à 81 points verticalement en 1H sans utiliser le joker. Nous posons Web, W-E-B. Horizontalement avec les lettres de mutil, cela forme Wu, E et Bi, Web, 1H, ça fait 81 points. Alors, on va rejeter Égypte, Grèce, Yougoslavie et on garde juste le joker. Prenez également Uruguay, U, Maroc, M, Égypte, E, Venezuela, V, Roumanie, R, Luxembourg, L. Vous jouez avec joker, Uruguay, Maroc, Égypte, Venezuela, Roumanie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
coup est terminé. On prend un O d'Océanie pour remplacer le Joker. 40 points horizontalement en M9, en collant au-dessus de l'Assas, nous posons Morve. M en collant, oui, c'est logique. Morve, M-O-R-V-E, verticalement ça forme Ma, M-A-S, Oc, Ra, Versus et E-E-S avec les lettres déjà sur la grille. Morve, M-9, ça fait 40 points. Deux lettres au reliquat et le joker. Luxembourg-Uruguay est toujours le premier joker. Ajoutez Grèce G, Uruguay U, Québec Q, Québec et Algérie A. On joue avec Luxembourg, Uruguay deux fois, joker, Grèce, Québec et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un top à 80 points, chose assez rarissime. Je pense pas que ça arrive souvent. Les deux jokers vont se retrouver dans le dernier coup. Puisqu'on va prendre un E, il en reste un, pour remplacer ici le joker, verticalement en 3A. Pour terminer à droite du M de mutile, nous descendons glauque.
G-L-A-U-Q-U, le Joker, est remplacé par un E d'Égypte pour former me-me avec le M de mutile. Glock, 3A, ça fait 80 points. Et donc, vous vous saisissez de tout ce qui reste. Il y a 5 jetons, donc les deux jokers. Portugal, P. Uruguay, U. Et Yougoslavie, Y. Vous jouez avec deux jokers. Portugal, Uruguay, Yougoslavie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Ça sera le dernier coup. C'était cousu de fil blanc, comme on dit. Pour 51 points, en utilisant les jokers comme un P de Portugal et un S de Suisse, horizontalement en A3, à partir du G de Glock, nous posons Guppy. G-U-P, le joker qui est un P de Portugal, Y. Et le deuxième joker qui est un S de Suisse. Guppy A3, ça fait 51 points. Voilà, vous avez joué 17 coups et le top de la partie est de 1239 points. Belle, belle partie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dans quelques secondes, je vais décoder. Sachant qu'a priori, il n'y aura pas énormément de définitions puisque c'est une partie à vocabulaire courant.
D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, alors j'insiste, hein, pas dans le chat, puisque ça apparaît plus après, mais dans les commentaires, n'hésitez pas s'il y a des mots que vous trouvez difficiles, en fait, alors que moi, je les ai considérés comme vocabulaire courant. N'hésitez pas à m'en faire part, ça me permettra d'ajuster mon jugement. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour le décodage. Allez, c'est parti, on décode là, cette partie Joker, 3 minutes. Vocabulaire courant. Donc, au premier coup, on a joué Fondais, F-O-N-D-A-I-S. On pouvait également jouer Fadillon qui apparaît à l'écran. Du verbe fader, se fader, ça veut dire se coltiner. Et Défion faisait exactement le même score, 78 points. C'était les 3 mots possibles avec ce tirage. J'entends les trois mots possibles en 7 lettres. Hein. En 8 lettres, il y avait plus d'une vingtaine de possibilités. Fardion, Fiadone au pluriel, Défilon, Défusion, etc. Beaucoup de Fondim, Fondis, Fondite, Fendion, Fendoir, Fondoir. Voilà. Alors, au coup d'après, on a joué Horrifié. Ça faisait 69 points. Sous top, Feneré. Le verbe fener, se fener, qui s'écrit soit F-O-E-H-N-E-R, soit F-O-T-R-E-M-A-H-N-E-R, est un terme suisse qui signifie se sécher les cheveux. Le fen étant un vent dans les Alpes. Ça faisait 67 et sans scrabler, on avait 39 points avec Morfondais. En termes d'appui, de potentialité, disons plutôt, outre les deux scrabbles qu'on a vus, alors en 7 lettres, il n'y a rien. Et en 8 lettres, on a également Fortiche et Filoché ER. Le coup d'après, on a joué rejoint. On pouvait également sur la même, à la même place, mijoter et réjoui. Ça faisait exactement le même score. Et puis ensuite, en mettant un E au bout de horrifié, on pouvait tripler le J. Voilà, jeter, juter, rejet. Ça faisait entre 42 et 40 points. Et 44 points, pardon. Les potentialités du tirage, rien en 7, rien en 8 et en 9 lettres, plus un seul mot possible, jucherai à IT sur les lettres qu'il faut. Le coup d'après, je referai un coup de définition, défiler les définitions à la fin, ce sera plus pratique. Alors, on a joué Aîné, H-E-2-N-E, on pouvait également jouer Berthe, 43 points, moins 1. AV, Herve, 43 également. Brevet, voilà, tout en faisant rejointe, on doublait le B ou le H ou le V et on marquait quelques points. En termes de potentialité du tirage, qu'est-ce qu'on a? Bécheveta et Bécheveté. Bécheveté, ça veut dire placer tête bêche, qui s'écrit en un seul mot, tête bêche. T-E-T-E-B-E-C-H-E avec les accents circonflexes sur le premier E et le troisième E. Alors, ensuite, qu'avons-nous joué? Bravate, Scrabble unique. Alors, c'est le verbe braver, vocabulaire courant, oui. Mais, voilà, il faut pas le rater parce que c'est le seul Scrabble. Passe à deux endroits, mais c'est le seul mot possible sur la grille à ce moment-là, donc il faut pas le rater. En sous-top, on a 41 points avec Bava. Voilà, après Vota 37, Vatu 37, Vata 35, etc. Ici en L1, on marque des points. Le tirage, bon, il y a Bavat
et batave en 7 lettres qui ne passent pas. Et en 8 lettres, on a 3 mots, batavia, bavassa et bravate qui lui passent. Bavassa, athée, batavia au pluriel. Et en 9 lettres, il y a 8 mots. Peu importe, ablative, et puis les absolvé, bar mitzvah, c'est magnifique. Et puis après, c'est des conjugaisons de bavé, de bavassé, etc. Alors, le coup d'après, on a joué décrété, on pouvait jouer décréta, ce qui est logique, décret au pluriel, recéda également, tout ça à la même place pour 87 points. On met un E au bout de rejoint pour rejointe. Et sinon, crédité moins 2, comme décoté, direct moins 2 également, décrite 83, voilà. En termes de potentialité, le tirage donné en 7 lettres, ben, je crois qu'on a tout dit, ouais, édicté ER, les autres on les a dit, crédité, décoté, décrété, décret, décrite, direct, recéda. Et puis, oula, 52 mots de 8 lettres, donc je ne vous fais pas la liste, mais il y a un joli cathèdre, C-A-T-H-E-D-R-E, anagramme de détaché, octaèdre, décotera, débecté, décrypté, voilà, il y a pas mal de possibilités, 52 mots de 8 lettres exactement avec ce tirage. Le coup suivant, on a joué démente, on pouvait jouer d'autres solutions pour 79 également, même endroit, démater, démettre et méditer. En 15B sur le S, en triple, désétamé. Et puis tout ce qui passait en J8 passe également en cassette pour 10 points de moins. Le tirage, il nous donnait... Bon, en 7 lettres, on a tout vu, tout passe. Et en 8 lettres, il y a 16 mots les plus intéressants. Démérité, toute la série du verbe démentir, hein, démente, démenti, démenté EZ. Voilà, détrempé, dermeste, D-E-R-M-E-S-T-E, un coléoptère parasite des fourrures et des cuirs. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a joué gazion en sous-top à moins 14, un joli tsingaro qui veut dire tzigane. Ça faisait 106, zig en 8L, le Z qui double, le mot qui triple et le Z qui recompte double dans l'autre sens avec décrété, ça fait un score de ouf, hein, ça fait 102, c'est énorme, 4 lettres, 102 points. C'est rare. Donc là, il y a plein de possibilités pour marquer presque 100 points. 96 avec Zip, Zist, Zob, Zoé, Zona, Zo, etc., etc. Bon, Gazion. Voilà, si on fait Gaz, Joker, on pense à la terminaison ONS, ça peut se construire. Ensuite, ah non, alors les potentialités du tirage, bien sûr. Donc Gazion en 7 lettres, on l'a vu. Et en 8 lettres, on a 6 possibilités. Donc on a vu Zingaro, il y a Zigomar, Grazioso, Gazaoui, Zigona et Agonisé. Z. Ensuite, Zigona, c'est un verbe, Z-I-G-O-2-N-E-R. Un québécisme familier qui signifie hésiter. Ensuite... L'assas, on pouvait également jouer sarclé, même principe, enfin même configuration, on va dire, le C qui triple et le mot qui double, donc le même score, 80 points verticalement. On pouvait également jouer schlass, C-H-L-A-2-S-E-S ou S-C-H-L-A-2-S-E, 78, je vous donnerai toutes les orthographes tout à l'heure de ce mot. Qui est un adjectif, qui n'est pas un verbe. Et en termes de potentialité, il y a trop de choses. Alsace, Castel, Casuel, Close, oulalalala, non, non. On oublie, je vous dis rien. coup suivant,
on a joué Mutil ENT, un autre Scrabble était possible, un mot DS8, Ultimate, en 2E, faisait 60 points. Mufti, Musli, Muté et Tumuli en ligne O faisaient 27 points. Le tirage, on a Mutila, Sec. Et puis ensuite, les conjugaisons de mutilé, Stimula, Lutetium, bon, Ultimate, on a vu. Et voilà. Coup suivant. Alors là, on a joué Roulet. On pouvait jouer également ces deux qu'on génère, on va dire, deux autres verbes anagrammes de rouler, ourler et lourer. Voilà, quand il y en a un qui passe, en général, les deux autres passent aussi. Et puis également Courli, C-O-U-R-L-I-S, donc il y a toujours un S. Rioul, même place, faisait 76. Blutoir, par contre, plus haut. Mot compte double uniquement, donc 66 comme lustroir, surtoilé. Le tirage en termes de potentialité, c'est énorme. Je rajoute en cette lettre luiron, O-N-S, ruilon, soulier et sourcil. Presque 60 mots en 8 lettres. Je ne vous en fais pas énumération. Coup suivant. Alors là, on a joué pileux. On pouvait jouer poreux également sur la même place, même score. Même place toujours, mais un peu moins modeux, moyeux, pieux, preux. En 1G, en collante, avec le X qui triple, OPEX 69. On revient en 14A, boleux, mieux. Mieux, ça fait moins, c'est bizarre. Non, 68. Et puis lieu 66, vœux également. Voilà, le X qui triple, le mot qui double. Combinaison gagnante à tous les coups. Le tirage, peut-être qu'il y a quelque chose de joli. Plombeux. Ah oui, plombeux sur un B ou un E. Et sur un C, un E, en 9 lettres sur C, E, S. Complexus. Un muscle de la nuque. Coup suivant. Okapi. Sous top, même endroit, le K qui double, le mot qui triple. 72-3 avec capot, képi, kip au pluriel et cop au pluriel. Ensuite, ailleurs, 48 points, pas plus, avec cob, K-O-B, ou Congo, avec le K qui double, le mot qui double, cote, etc. Voilà. Le tirage, je ne pense pas qu'il donne quelque chose. Non. Coup suivant, on a joué web sans utiliser le joker, qui faisait 81. Même place, Bou 64, Barry 54, avec le Y en pivot, Wenge 50, avec le W qui double et le mot qui double. J'ai pas fait le tirage, mais je pense pas, non, il n'y a rien. Alors, le coup d'après, on a joué Morve, même endroit, Mouru, qui faisait moins, 9 points de moins. Virtuel en 13G, assez joli, là, le V qui double, le mot qui double, et on est en double appui. Et puis en case 7, on met un S à horrifier, on colle, muse, V, vu, tout ça, ça fait 28 points. Le tirage en potentialité, qu'est-ce qu'il nous propose? Vélarium, Vermoula, Vermoule et Vermoulu. 4 mots de 8 lettres avec ce tirage. Rien en 7. Ensuite, le glauque, qui faisait 80 points, sous top, en collante, UNO, UNAUS, Joker, qui fait rejointe au pluriel, 36, Buka, Duka, 28 points, pardon, Laka également, passé sur le, avec le Q, le mot qui double, et voilà, c'est tout, il n'y a rien de fou avec ce tirage. Et en solution possible, on a donc glauque et glauque au pluriel et galeruc en 9 lettres. G-A-L-E-R-U-Q-E, un insecte nuisible aux arbres. J'en ai vu chez moi. J'en ai vu. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Le dernier coup.
Guppy, sous top 48 avec Youp, Jury 47, Rai, Yeu et Youp 42. Voilà, une belle partie donc qui nous fait 1239 points, 17 coups. Voilà. Alors le défilé, le traditionnel défilé des définitions. Alors donc Fené, on l'avait vu. Aîné, c'est un arbuste et aussi la teinture tirée de cet arbuste. Hein, beaucoup de, on fait beaucoup de soins pour les cheveux ou de tatouages. Berthe, un large col arrondi ou un bidon à lait, c'est un nom féminin. Herve, un fromage belge. AV, découpé parallèlement au strat, un terme utilisé dans les mines. Dématé, c'est priver un navire de ses mâts, ou perdre ses mâts. Désétamé, c'est enlever l'étain. Alors, il n'y a pas la définition, mais voilà, je vous le dis. Tsingaro, alors pluriel, soit Tsingaro avec un S ou Tsingari, qui du coup devient variable. Tsigane, sarclé, désherbé avec un sarcloir. Schlass, donc ça s'écrit C-H-L-A-2-S, C-H-L-A-2-S-E et S-C-H-L-A-2-S. A priori, il n'y a pas de S-C-H-L-A-2-S-E. Voilà, il y a toujours un truc bizarre avec ces mots-là. Adjectif ivre, terme familier, et en argot, un couteau non masculin. Ultimate, un sport qui se pratique avec un frisbee. Courly, un oiseau échassier. Un oiseau à chier, non. Un oiseau échassier à long bec. Louré, c'est un terme musical, lié des notes en appuyant sur la première. Rioul, un helvétisme familier, la fête, la noce. La bamboche, on dit aussi, quoi. Blutoir, alors non, on a joué, c'était bluté qu'on pouvait jouer, alors c'est tamisé de la farine. Non, c'était blutoir, pardon, excusez-moi. Donc un blutoir, ça sert à bluter. Et bluter, c'est tamisé de la farine, voilà. Donc le blutoir doit être un tamis pour la farine. Surtoilé, attention, ce n'est qu'un adjectif. Donc ne jouez pas de surtoila ou de surtoilé, ER, EZ, etc. Ça désigne un voilier muni d'une importante surface de voile. Lustroir, un outil qui sert à nettoyer les vitres. Modeux, modeuse, adjectif et nom, un terme familier qui désigne quelqu'un qui travaille dans la mode ou qui est toujours à la mode. OPEX, opération extérieure, acronyme, terme militaire, engagement hors des frontières. Boleux, boleuse, qui a du bol, un terme suisse pour désigner un chanceux ou une chanceuse. Okapi, c'est un ruminant d'Afrique. On dit qu'il faut toujours préférer l'orignal à l'okapi, non? C'est pas ça? Ah non, orignal c'est autre chose. L'original à la copie, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. Capot, on l'a joué avec le K, je vous donne pas la définition, j'ai pas envie. La bari est une ancienne unité de pression. Le wenge est un arbre africain au bois dur et lourd, on fait des meubles notamment avec. Uno, pluriel S ou X, un mammifère arboricole d'Amérique tropicale, ça ressemble à un petit paresseux. Et Guppy, pluriel IES ou YS, un petit poisson tropical d'ornement donc qu'on met dans les aquariums. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, à vous abonner, à commenter, à liker. À faire des petits dons, soit sur OKPal, soit sur YouTube, une fois que la vidéo elle est diffusée en mode première, quelle que soit la vidéo, quand vous la regardez de nouveau, vous avez en bas à droite un petit bouton avec un signe dollar. Ça va, vous allez payer en euros, vous inquiétez pas. Vous cliquez dessus, voilà, ça s'appelle le Super 5, c'est un super merci. Ça vous permet de faire un petit don voilà, de 2 euros, 5 euros, enfin, du montant que vous voulez parmi les montants proposés. Je précise que c'est par défaut les montants qui sont là, donc je ne peux pas les changer. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.